Bonjour à tous, me voilà à Moscou, donc je suis dans une station essence en bord de route, l'une des stations les plus chères hein, à côté de l'autoroute, c'est un peu comme nous en France. Donc voilà, je vais vous montrer, donc là il y a du diesel et du 95, donc on est à 53 roubles le diesel et pratiquement 51 roubles 95, donc pratiquement pareil, ce qui fait à peu près pratiquement 70 centimes. Voilà, 70 centimes le litre sur l'une des stations essence la plus chère de Moscou. Vous pouvez trouver facilement moins de 60 centimes le litre. Voilà. Il faut bien que vous sachiez que depuis qu'il y a les restrictions, la Russie se fait énormément d'argent. C'est-à-dire que la Russie a augmenté ses profits au niveau de l'essence depuis qu'il y a les restrictions contre eux. Donc vous avez bien compris, plus il y aura de restrictions contre eux, plus ils se feront de l'argent avec l'essence. Et il ne faut surtout pas oublier que c'est vous qui payez tout ça. C'est-à-dire que plus il y a de restrictions, plus vous allez payer cher le baril et donc du coup votre litre d'essence. Et moins ici en Russie, le litre sera cher. Donc allez comprendre, qui se met vraiment de l'argent dans les poches, je vous laisse vous faire vos questions. Mais voilà, ce qui est du réel ici, c'est qu'à Moscou, le litre est à entre 60 et 70 centimes le litre, alors que vous, 2 euros. Et plus ça augmente chez vous, plus ça diminue ici en Russie.